Au Sénégal, le mil est un aliment de base très prisé des Sénégalais. D'une consommation familiale et traditionnelle, le mil est aujourd'hui un produit de rente avec un fort potentiel de revenus pour les femmes grâce à la recherche. L'ISRA, en tant qu'institut de recherche à travers son centre régional d'excellence de la CEDEAO, a beaucoup contribué sur la promotion de la culture du mil en développant des variétés performantes de cycle court adaptées au changement climatique. On a ajouté d'autres très importants liés à la nutrition, qui est la biofortification. À l'image du projet Yousda Pessem-Clouza et le privé national qui ont accompagné les coopératives de femmes, ces dernières ont bénéficié d'un accompagnement technique dans la valorisation et la commercialisation de leur production. Le projet Clouza Pessem a été une formation post-récolte pour qu'elle maîtrise le contrat pour contractualiser 1000 tonnes de mil avec l'agro-industrie Mamel Diabon. C'est très important ce projet ESDA Clouza Pessem, dans la mesure où il s'inscrit dans le cadre d'une vision exprimée par Monsieur le Président de la République à travers le plan Sénégal émergent. C'est un projet qui vient à son heure, qui crée de la richesse, qui assure la sécurité alimentaire. L'autonomisation des femmes dans la chaîne de valeur du mil au Sénégal passera nécessairement par la consolidation de leurs acquis techniques et l'accès au financement pour mieux satisfaire le marché national et international.